Je m'appelle Florent Tardieu, j'ai 16 ans et je suis étudiant étrangère de basket au Collège des Compagnons. J'ai commencé à Charenton quand j'avais 7 ans et au début c'était juste un sport comme ça, juste pour le plaisir. Puis au fur et à mesure, c'est devenu ma passion. Si je taffe bien, j'ai peut-être une chance d'aller en D1 ou alors finir en pro. Mon frère m'a poussé à faire du basket et ma grande sœur. Mon frère qui a maintenant 22 ans, ma grande sœur elle a 18 ans. De voir les deux jouer, franchement, ça m'a donné un peu plus envie de jouer. Franchement, j'ai du potentiel, mais il est à développer par plusieurs personnes. Comme c'est pour ça que je suis venu ici. Au Elite Factor, il y a aussi un entraînement personnel que je fais le soir et le week-end. On travaille plus la technique, le shoot et physiquement aussi les jambes quand on pousse des poids. Je pense que ça va me faire vraiment progresser. Mes objectifs sont très simples, c'est juste progresser au basket et pas forcément au basket, plus genre dans la vie de tous les jours. Apprendre de nouvelles choses, pas que penser basket tout le temps. Même si je pense basket tout le temps. Il n'y a pas que le basket, mais c'est vrai que le basket prend une grosse partie de ma vie. Ça m'a permis de progresser, de grandir aussi. Je pense que ça a vraiment, vraiment servi, vu que si je serais resté en France, je pense pas que je serais la même personne aujourd'hui. Certains me disent que je peux aller D1. J'aimerais jouer au plus haut niveau possible. Après, parce que ça m'intéresse de jouer contre les plus forts. Franchement, jouer contre eux, ça me donne du plaisir à jouer. Pour l'instant, ma saison de basket, elle se passe bien. Même si j'ai commencé très tard, parce qu'au début, j'étais blessé. On gagne tous nos matchs pour l'instant. On progresse lors des matchs et c'est ça le plus important. Mon père, il a toujours tout fait pour moi. C'est-à-dire, il m'emmenait toujours aux entraînements. Je revenais jamais en transport, toujours en voiture. Il m'emmenait à chaque détection. Il cherchait vraiment tout. Ma mère, pareil. Même si elle aime pas trop le basket, toujours elle faisait des efforts à venir à mes matchs, à m'encourager, même si elle n'aime pas forcément. Pour finir, je dédicace ce message à toute ma famille. Je dis que je vous aime et que t'inquiète pas, papa aura tes 50 dunks à la fin de l'année.